What up, what up, what up, everybody? Welcome to the Bit Center Freestyle versus Futsal Challenge. Gedurende 13 afleveringen brengen wij jullie het beste, de cream de la crème van het Belgische zaalvoetbal. Zaalvoetbal is een van de populairste en entertainende sporten van België. Want je hebt ongelooflijke acties, zieke panna's en dan zeker niet vergeten spectaculaire goals. Dat is futsal. Het doel van de Freestyle versus Futsal Challenge is heel simpel. Twee van de beste Belgische freestylers nemen het in 5 skills challenges op tegen de 12 teams van de Betcenter Futsal League. Het team met de hoogste score wordt bekroond tot de winnaar van de Betcenter Freestyle versus Futsal Challenge. Nouvel épisode, nouveau challenger. Il vient directement de Châtelet, Alexis et Souli. Est-ce que les gars, vous êtes prêts ou pas? On parle pas maintenant, on parlera à la fin. Je suis prêt. J'espère qu'eux sont prêts. Martin, dat is een uitdaging. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Jij, Souf? On va parler maintenant, on va parler à la fin. Hey, on commence directement avec le premier challenge. On y va, let's go. Challenge 1, Bed Center Barrel Challenge. Deze opdracht heeft 3 sleutelwoorden. Balcontrole, techniek en teamwork. Alles wat je nodig hebt voor futsal. De echte balgoochelaars, de freestylers natuurlijk, hebben hier normaal gezien een voordeel. Maar je weet maar nooit. Het parcours bestaat uit 5 delen. Door de bal hoog te houden gaan ze van checkpoint naar checkpoint. Zodra ze een checkpoint bereiken, spelen ze de bal door naar de volgende speler. Wanneer de spelers aan de laatste checkpoint zijn, dienen ze de bal te koppen in de Bed Center Barrel. De tijd stopt dan ook van zodra de bal in de barrel is. 3, 2, 1, go! C'est parti! La balle en l'air, balle en l'air, balle en l'air. Voilà, Alexis qui va montrer. Allez. Boum, 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 boum. Ah, on était presque. Tac. Voilà, 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 c'est facile. Ouf. 8. Mais non. Ouf, vous y êtes presque, c'est pas grave, continuez, continuez. Restez concentrés. Ouais, c'est bon. Alexis, Souli, les jongles ça allait, mais qu'est-ce qui s'est passé vers la fin? En fait, hier j'ai reçu un coup là sur le front. Je me disais bien. Du coup, j'arrivais pas trop à mettre la tête, ça faisait mal, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant vous avez réussi, mais Alexis, comme Souli le dit, vers la fin c'est un peu chaud. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Bah moi j'ai oublié mes lunettes, tu vois, donc je suis un peu myope. Et malheureusement, voilà, j'ai pas su voir la balle. Ouais, tu vois, mal à la tête, il avait pas ses lunettes. On va voir le résultat dans le leaderboard temporaire. On y va. Challenge 2, Bit Center Banner Challenge. Elke speler trapt 5 keer. Gaat de bal door een van de gaten van de Bit Center Banner, dan krijgen ze een punt. De grote gaten 50 punten, middelste gaten 100 punten, kleine gaten 150 punten. Hier is het heel belangrijk om een fantastisch goede traptechniek te hebben. Je vais essayer la, le x3, on va essayer. Les deux dernières, je vais essayer le x3. Lucarne droite. Milieu à gauche. Ah ok. Ah je savais pas. C'est pas les poteaux, les lattes. Ah. Même chose. Au-dessus à droite. Alexis, pour toi ça s'est pas vraiment bien passé, qu'est-ce qui s'est passé? Le pied d'or ou qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas du tout hein. Mais Souli a fait un peu le taf, moi j'ai pas suivi malheureusement.
Voilà, Souli. Tu as sauvé l'équipe, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai vu que mon collègue était un peu en difficulté, du coup comme on est une équipe, on est solidaire, j'ai essayé de rattraper ça, donc voilà. Voilà, c'est ça qu'on aime, l'unité. On va voir le leaderboard, on va voir vos points par rapport aux autres. Challenge 3, Bet Center Big Jump Challenge. Wie springt er het hoogste en heeft de highest header? We gaan hier kijken naar kracht, lenigheid en explosiviteit. De starthoogte wordt bepaald door 20 centimeter bij te tellen bij de lengte van elke speler. Raken ze de bal, dan wordt deze 5 centimeter hoger opgehangen. Voor elke 5 centimeter die ze springen en de bal raken natuurlijk, krijgen ze punten. Bij elke hoogte hebben ze maar 3 pogingen. 3 strikes and you gone. Trop facile, on y va. Voilà Alexis, on y va. Hey, ça c'est des sauts trop loin là. Ah voilà, ça c'est bon. Let's go, quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Oh! Ça c'est dommage, ça c'est dommage. Oh! Ah, là, 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 là. Ah, ça c'est dommage. Alors les gars, est-ce que vous sautez pendant les matchs de futsal ou pas du tout? Écoute, non, mais je pense que lui, ouais. Hein. Moi, ça m'arrive de temps en temps, je fais des ciseaux en lucarne, tu connais. Toi, tu fais des lucarnes. Ok, écoute, c'est pour ça que t'as fait tes 71 cm aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça. Après, je savais pas que j'avais une telle détente. Hein. Je crois que je vais me mettre au football. Écoute, 62 cm, 71 cm, moi je dis qu'il te donne des cours. Ouais, bien sûr, mais je crois que les chaussures, c'était pas adapté. Écoute. Pour ça, la prochaine fois, je vais mettre d'autres chaussures. Prochainement, tu prends les mêmes. Voilà. Tu prends les mêmes. Ouais, voilà. Je pensais que c'était la même, couleur, mais c'est pas la même couleur. Voilà, c'est la couleur. Hein. Écoute, moi je vous propose de regarder le leaderboard. Je prends les tiennes. Bah, si tu prenais les miennes, ouais, peut-être. Tu fly. Ah, ouais, voilà. Challenge 4, de Bet Center B-test. In het zaalvoetbal is snelheid en de balcontrole heel belangrijk, dus dat gaan we hier testen. Op papier hebben de futsalplayers een voordeel, maar je weet maar nooit. De bedoeling van deze challenge is zeer simpel. De spelers vertrekken van de startlijn, passeren elke kegel langs de buitenkant om zo een letter B te vormen. De tijd stopt wanneer de speler terug aan de startlijn komt. 3, en 2, 1, Souli, let's go! Pam, 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 vitesse, vitesse, il appuie sur R2. Ouh, regardez, toujours balle au pied. Pop, 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 pop. Pop, 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 regardez. Souli ne quitte pas le ballon des yeux. Paf, il a combien? 3, 2, 1, let's go, Alexis. Voilà, c'est ça, là tu cours. C'est ça qu'on aime, on aime voir ça. Allez, tour, tour, tour. Boum, voilà, t'as vu? Tac, tac, balle au pied. Maintenant, il le fait sérieusement. C'est ça qu'on veut. Alors les gars, je pense que le B-test, c'est le challenge qui est vraiment écrit pour vous. J'ai raison ou pas? T'as tout à fait raison, le chrono il parle de lui-même. Hein. Ah ouais, ça, moins de 12 secondes, Souli. Comment ça s'est passé pour toi? Bah c'était assez facile, mais après le chrono, il parle de lui-même. Bah, je vous propose de regarder le leaderboard et voir le classement temporaire. We sluiten af met een panna-wedstrijd. De freestylers Soufiane en Martijn tegen de futsalplayers. Wie van hen scoort 3 doelpunten of zet de andere ploeg een panna? 3, 2, 1, c'est parti, per vitesse! Souli.
Tu aimes les serpents, hein? Yes! Premier but! Yeah. Oh, oh, oh. Perte de balle, malheureusement. Yes. On avance à deux pieds. Pas un pied. Oh, 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 oh. Oh, non, ouais! Et encore un presque but pour nos freestylers. Pas de perte de balle. Oh, là, 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 là. Ça devient un match intense. Un match très intense parce qu'en fait, les deux équipes ne veulent pas. Ah, concéder deux. Alors, j'appelle à la VAR. Sully, Alexis, vous avez représenté Châtelet. Et quand même, vous avez concédé un panama, mais je vous dis, après 7 minutes, c'est assez long. Comment ça s'est passé pour vous? C'est un bon résultat, après c'est normal, hein. C'est des freestylers. Et on a bien tenu, je pense. On a bien tenu la défense. C'est bien, c'est leur travail. Hein. Exactement. Bretagne, il avait toch weer een panna kunnen zetten? Hoe was dat? Ja, het waren twee goede spelers opnieuw. Een aanval was goed. In verdedigend opzicht hebben ze ook niet te veel risico genomen, wat je ook wel een beetje moet doen in panna. Mm. Anders kan hem er snel door zijn. Maar er was een klein gaatje aanwezig bij Sully. Heel klein. Ik denk dat de bal er juist door geraakte, maar het was er door. Het was door. C'est ça que vous avez besoin, hein? Juste un petit espace, puis boum. C'est ça. Moindre espace, le ballon n'est pas. Ça rentre. Bon, moi, je vous propose, les gars, de voir, de regarder plutôt le classement et de voir comment vous faites par rapport aux autres équipes. De challenges zijn voorbij, maar laten we eens kijken hoe dat jullie het eigenlijk hebben gedaan. In het voorlopig klassement geeft het het volgende. It's a wrap, c'est la fin d'un nouvel épisode. Zeker kijken volgende week, want dan nemen we het op tegen het voetbalteam van IJsden. Peace!